toute première vidéo. Nous sommes élèves en 3e au lycée agricole de Luçon-Pétré. Et l'idée du jour, c'était de faire une vidéo sur le développement durable. Autant dire que nous n'étions pas très emballés. On s'est creusé les méninges. Et oui, on n'a pas l'air comme ça, mais on en a là-dedans. Léna, tu veux faire quoi plus tard? Vétérinaire et toi? Floriste. Mais ça a rien à voir, le développement durable et les fleurs. Mais t'es débile ou quoi? On n'a qu'à aller voir Monsieur Guinet. Mais c'est qui Monsieur Guinet? C'est le prof d'Arflo. On essaie de travailler des productions locales avec des productions qui sont de Charente-Maritime ou de Bretagne. Il faut savoir qu'il y a un label aussi qui existe qui s'appelle Fleurs de France qui nous permet de reconnaître les végétaux produits en France. Alors on a mis en place tout un système de tri sélectif dans nos cours. On a des bacs où on met toute la matière végétale, toute la matière verte, donc que ce soit les fleurs fanées, les feuillages usagés, voire même les plantes en pot qui sont en fin de vie. Ces bacs-là sont ensuite déversés sur un tas et servent à créer du compost pour, entre autres, une utilisation, un aménagement épuisager par les élèves du lycée. Alors, la glane, c'est aussi un moyen de réduire nos productions de déchets. La glane consiste tout simplement à aller chercher dans la nature des végétaux ou matériaux que la nature nous offre, de prélever simplement ce dont on a besoin en respectant au maximum le végétal. Alors voilà un exemple de glane. Là, on se situe à 20 mètres environ de la classe, donc on est juste à côté. Et puis on va se servir de cette glane dans une composition qu'on va vous montrer tout de suite. Maintenant, le développement durable et les fleurs, c'est lié? Bah oui. Mais c'est quoi ça? On dirait des perroquets. Ça, c'est des oiseaux du paradis. On les fait pousser dans les serres de Pétré. Mais oiseaux du paradis, moi je veux bien. Mais on fait pousser quoi d'autre ici? À part les oiseaux du paradis. Tu veux que je te montre? Mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a des poissons en plein milieu des plantes? Ces poissons-là, ils servent à nourrir les plantes. Donc tu vois leur excrément? Eh bien, c'est pour nourrir les plantes. Genre, ça passe par là, et après ça recoule là. Enfin, l'eau recoule ici. Et c'est ce qu'on appelle de la compagnie. C'est dans cet univers que la vidéo se termine. J'espère que cela vous aura plu. On en retient quand même que le développement durable au lycée, il est bien présent et c'est pas si nul que ça. Ça c'est clair, c'est grave bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner.